un bon parti dans le département de l'Ouest, la région métropolitaine notamment, ensemble avec un parti dans la Tibonite, bas la Tibonite surtout, qui apprenait un mouvement d'enfer. Population dans la zone Zayo, ils ont dormi, ils ont j'ai l'ouvri, ils ont j'ai fermé. Jusqu'à hier, nous avons lancé des SOS pour Moun Magloire Amboise. Peu de monde qui était parce que la majorité de monde s'est fait courir. Mais il y a des gens qui étaient courés, capables de gagner à n'importe quel moment où aller mieux. Qui prend un risque de retourner et du coup l'ouvrir ce business encore. Malheureusement, les gens disent que ce n'est pas qu'on y a, parce que les gens prennent malin plaisir, notamment très tard dans la nuit, pour attaquer mon lieu, piller business, tirer, etc. Pour Solino et jeunes qui avoisinent les lieux, n'en parlons pas. Pendant jour ça yo, c'est des gens qui ont l'amour en face. Jusqu'ici, d'après chiffres officiels qui sont disponibles, il y a plus de 5000 personnes, toutes catégories confondues, qui arrivent à quitter Solino en bas en pile cartouche, en bas menace Negaxamio. Chaque jour qui passait montré de plus en plus criminel par rapport avec des actions ou des actes d'un promettre. Mais il faut le dire, peut-être si la police accompagnait l'autre force ou pas fait des interventions, pas mener des opérations au niveau de Solino notamment. Situation a décapi mal. Non seulement nous autres nous croyons ça, mais ce n'est pas l'institution, la police, tout qui peut le dire. Au contraire. Parce que pendant toute dernière publication, service de presse et de relations publiques, institution police là, nous fait état de plusieurs opérations très musclées que des unités spécialisées accompagné de membres dans FADH, accompagné de membres dans la mission, ils même mené au niveau de Solino, ça qui permet, selon la police, ils ont fait des pénétrations et arrivé trop qui connaît ensemble avec Negaxamio. Et si nous voyons la police gagner plusieurs bandits au niveau de Solino qui est mortellement blessé, la police a annoncé, guerrier du seul, on a les hommes, ils ont été mobilisés au niveau de Solino, ensemble avec la zone qui avoisine les lieux. Si bien que ils ont annoncé, ils ont une base d'Elma 24 qui permet de réagir en temps réel à l'assaut Gabio. Et la police dit qu'ils ont établi base ça dans Delma 24. C'est pour capable continuer eh bien, avec ces opérations dans le fief de nous-mêmes. Et pourquoi pas arriver à démanteler toutefois les gangs qui sont dans un nom mais qui sont tout prêts. C'est ça la police a annoncé pour Solino. Et jusqu'à hier, la police a décrété la permanence au niveau de Solino. C'est vrai, bandits investi des espaces. C'est vrai, bandits fait des dégâts considérables parce que ont boulé plusieurs cailles, effectivement. Mais la police dit qu'ils sont là pour repousser monsieur et pour empêcher de continuer à faire des dégâts. Il a fait depuis 17 octobre. Et pourquoi pas faciliter un retour des populations de ces zones dans le plus bref des délais. Est-ce que ça va être une tâche facile pour les forces de l'ordre?
on l'espère. Mais pour l'instant, la police dit, ils ont planté piquet dans Solino, ensemble avec toute zone qui a voisiné Solino, pour mettre en déroute les criminels, les malfrats, les abolouraïs de la coalition Vivre Ensemble. C'est ça, c'est même annonce tout pour la commune d'Arcaye. La police annonçait que yo font déploiement tête chargée au niveau de la dite commune. La police y gagne des unités spécialisées qui jusqu'à hier à pied d'œuvre aux côtés de policiers qui étaient déjà présents en la commune là. Et la police dit comme ça, ils arrivent à repousser gang yo qui était déterminé pour prendre contrôle de la ville par tous les moyens. Mais la police a annoncé qu'il y a plus qu'une quinzaine de bandits qui bouettent l'eau dedans, on a échangé toutes armes avec force l'audio. Mais il y a un travail fondamental, la police soulignait, ou bien la police expliquait, c'est que ça passé à Kaya, c'est un exemple vivant de une collaboration fructueuse entre la PNH et des membres de la population civile au niveau local. D'où l'importance de la nécessité du mariage police-population, MPP. Donc la police dit, jusqu'à hier, vous n'étiez pas là, si on moun rivé à Kaye, vous avez senti que à Kaye a tombé en bas contre le bandit, mais c'est pas vrai. Parce que yo non seulement rivé pour te renforcer peu de policiers qui étaient présents sur place, ça ici nous la police. On parle en fonction de sa police, la police rend public. Mais vous menez des opérations tout dans une zone tout qui pas trop loin à Kaye, même au niveau de Saint-Marc. La police annonce que vous faites des interventions. Et nous parlons avec de Mounto au sein de la population civile archeloise qui ont même expliqué effectivement grâce avec Onkou la police, mais grâce tout avec Mounto dans la zone qui dit eux même qu'ils préfèrent mourir au lieu de livrer comme une bandit, eh bien, ils ont rivé Kembi pendant tout le temps ça et empêcher les hommes de Canaran, les hommes de 5 secondes, yo réaliser revue qui c'est simé la terreur, qui c'est prend contrôle à Kaye. Maintenant, est-ce que y a qu'arriver Kembi aussi longtemps que possible ou bien est-ce que y a qu'à résister face à Gonzalo qui eux-mêmes les lois criminelles yo monté yo pas rien yo pas faire même l'inimaginable. Est-ce que mariage ça tout toujours existé entre la police et la population? Est-ce que arrive un moment la police pour résoudre pour l'autre pas lâcher et puis la population en poukol et du coup faciliter des représailles ba côté bandi yo? On ne sait pas et on ne le souhaite pas. Maintenant, la police parlait de déploiement réussi au nom des hommes. Nous ne pouvons pas dire que si effectivement, ils arrivent à rentrer dans la zone côté bandits, ils ont tenté pour eux, que ce soit à Solino, que ce soit au niveau de la carrière. Si effectivement, ils arrivent à permettre de gagner des chars blindés, de gagner des membres des unités spécialisées qui arrivent à investir spatiaux et camper bon côté population pour défendre zone yo, nous pas un problème avec déploiement réussi hein? Si effectivement yo rivé repousser incursion gang yo, que ce soit sous la mer, que ce soit par voie terrestre, c'est bien, nous pas un problème avec déploiement réussi hein? Mais maintenant, est-ce que ni Moun Solino
est-ce que ni moun arkaye, est-ce que la police capable crier victoire pour dire bon, nous réussi mettre gang yo hors d'état de nuire, donc plus jamais yo pa ka vinn faire des respect dans ça. On en doute, on s'en doute fort. Pour qui ça? En général, les la police les même fait des interventions et c'est ça guerrier du sol qu'on plaide pour l'IA. Gon problème de consolidation qui est toujours posé. Ça veut dire la police vini, li ka ratiboisé. Li tire avec gang yo, touye sa pou touye, li repousse yo, etc. Et puis la police peut-être fonctionne là pendant 2-3 jours, bien une semaine et plus. Et puis après ça, pour une raison bien pour l'autre, il y a un relâchement beaucoup de force de Dieu. Et même si peu à peu sentiment calme, mais attention, hein, c'est quand même un calme qui est fragile. Le pourquoi, à n'importe quel moment, la population est capable de victime ou représailles. Et les gangs qui retournent, ils viennent plus atroces que jamais. Par contre, vous comprenez, Ronald Deson. Donc ça veut dire qui ça? C'est vrai, peuple Akaya, c'est vrai, la police, mettez ensemble avec eux. Ils arrivent à repousser les gangs, que ce soit sous la mer, ou bien que ce soit gang qui a sorti Canada. C'est vrai, on a toujours crié des petites victoires. Ouais. Mais il n'y a pas qu'à définitivement à Bouébouébouébou pour dire qu'il a réussi. Parce que jusqu'à minute à balayer là, même si bandit t'a replié, même si on pas attendre à tirer avec la police, menace a toujours été épuisé. Que ce soit sous Akaye, que ce soit sous Solino, le pourquoi, parce que c'est pas débattre pour débattre les gangs là. C'est pas chef gang non oublié. Bien sûr, on va pas faire mieux. Et si on perd un pile soldat ou si on perd des matériels importants, on va pas faire mieux dans tentative. Maintenant, les yo replié, ni moi qui parle dans la radio là, ni mon qui attendait pas forcément connaître ça. Et là, on pensait que le démon Solino qui victime attaque ça, attaque ciblée ça au dernier jour ça, que le démon Akaye est obligé vigilant. Parce que ça qui déclaré en d'un pays depuis dernière année ça, notamment dernier jour ça, nous expliquer ça là déjà, il y a des monde qui puis avisé passé nous expliquer son guerre. Donc c'est Damio, c'est Vivasem qui déclaré population civile à la guerre. Avec. Eh bien, non guerre, où je joue plusieurs batailles. Gagner une bataille, gagner des batailles, pas vle dire pour gagner. Par contre, sous la main. Donc, vous devez rester mobilisé jusqu'à la victoire finale. Il reste à savoir, est-ce que mon yo gen moyen pour ça? Est-ce que force yo gen stratégie pour ça? Est-ce que vous avez des ressources pour ça, etc. Mais si à chaque fois nous avons victoire face à gang yo, et puis nous replier, nous étions à célébrer lui, pas donne pas tenu compte de l'autre menace imminente parce que gang yo même yo style était existé. M'pas bon menti, chaque fois yo retourner tout le capable fatal. Yeah. Yeah. La raison est simple. Parce que tout simplement depuis gang za yo même yo commencé perdre mon yo. Ils commencent à prendre frappe. Ou bien, ils ont la souveraine, ils ont le campé avec eux. Ça s'ouvre les collègues, ils sont venus, ils sont criminels. Malbao, en exemple. Dans la nuit du 9 au 10 octobre, à Traer, ils ont subi la première attaque, ils ont fait un massacre. Mais ils ont joué dans la zone. Quand ils ont venu, ils ont fait un massacre. Les populations à Chinoise ont décidé de mobiliser. Et puis, ils ont campé en face de eux. Mais les gangs ont retourné, on pense que maintenant ça est fini. On pense que on a dit, ah, comme nous, nous ne pouvons pas jouer là, mais comme nous, nous ne pouvons pas jouer là, comme nous, il y a une volonté pour ne pas livrer là, nous ne pouvons pas tourner là. Ça va empêcher que pendant le week-end, là, ils retournent pour la plus belle. Dans l'intervalle,
ou par contre qui ça t'a réglé, est-ce que c'est pas préparé, t'a préparé davantage? Et bien maintenant, si pas de dernière 24 heures ça yo, yo et bah là pas facile ou yo. Guerrier Dieu seul ou dans le désordre. Les gars qui retournent dans la base. Ou par contre qui ça y a réfléchi. Ou par contre qui stratégie qui a mis en place. Qui vous permettre que les gens retournent pour vous retourner par rapport ou bien tout pour vous retourner pour vous tenir compte de réponse que vous avez avant. Parce que la police dit, les gens ont une réponse proportionnelle dans le dernier assaut que vous faites. Maintenant, les gens ont une réponse avec vous. Aussi, vous tout encore. Parce que ça nous fait pour nous comprendre, même si vous détruisez 15 soldats, ce n'est pas les gens qui ont des. Je voulais noter ça. Donc si vous prenez un recul, pas gagner 12, pas parce que vous voulez rebondir beaucoup plus fort. D'où la nécessité qu'on y a là pour principale force de sécurité, ou bien monde qui a pensé sécurité en un pays, capitaliser sur question renseignement ou bien information. Mm-hmm. Et si vous avez oublié, il faut que l'État qu'on y a là mette des graines dans elle pour une capacité pour connaître ça oublié. En façon pour qu'à anticiper. Mais sous c'est chaque fois que vous attaquez, vous êtes obligé de répondre. Et chaque fois que vous attaquez différemment. Tâche là pas aussi facile pour vous. D'autant que nous connaissons la quantité de contraintes que force l'audio a fait face avec vous. Un exemple qui est simple. L'un des premiers venus attaquer à carrière. Il va venir sous la mer, non? Vous entendez, Ronald? Yeah. Premier attaque, il va venir sous la mer. Et vous êtes débarqué sur le Caraïbes, etc. Vous avez avancé sur la route nationale numéro 1, vous avez avancé. Et puis vous jouez dans la zone, vous avez plié, etc. Vous avez venu. Vous parlez en pile, vous avez annoncé des bagages sur les réseaux sociaux. Mais, dernier moment, vous avez venu. Vous avez venu ni à terre, vous avez venu ni sous la mer. Parce que vous n'avez pas grand-chose à faire, vous avez venu en l'air. Pas grand-chose à faire, mon cher. Non, mais vous avez utilisé drone. Par contre, vous comprenez. Eh bien, si la police ou bien principale force de sécurité ou bien moun qui la pour réfléchir sur la sécurité, t'as pensé vraiment, vous devez anticiper ça. Vous devez connaître vos capacités sous la main, donc pas de la vie sur la terre, donc des capacités d'eau ou bien des possibilités d'eau pour activer. Comment vous voulez nous vient dans la police qui est question de la mer. Gatcote, la marine, voilà. On va mobiliser, on va renforcer, au moins, vous dire que le danger est encore imminent. Donc, en nous, est capable de mettre des bagages sous la mer là pour si des gars paraître, pour que nous soyons capables de faire des même supposé, on va tenir compte de ça. Et le fait que nous venons là, débarquer, faire plusieurs voyages comme notre là. On a débarqué à Kaye, on a tiré sur Kaye. Même si on dit, je ne vois pas trop bien passé ça. Non. Moi, je dis ça dans un titre là. Oui, oui, oui. Mon ami, société civile, l'autre bois qui dit non, semblait qu'on un petit bail coulé. Semblait qu'on un petit bail coulé. Ma petite M. Sosé dit, il dit là. Semblait qu'on un petit bail coulé. Je dis, je n'ai pas tombé. On t'a expliqué tout à l'heure, d'où la nécessité pour toute force de sécurité. Ou bien l'État d'une façon générale capitaliser sur la question du renseignement. Pour ne pas attendre l'un et qu'il vienne attaquer, pour lui répondre. Ouais. Voilà un bon exemple qui est simple. Et je regarde mon opératoire, bandit au dernier moment, le renseignement va demander trop fort. On regarde. Depuis la première semaine mois d'octobre, on a toujours dit ça là pendant toute semaine. Les grands griffiers ont été annoncés que ça va le faire pour sonder. Donc c'est pas l'État, non, et pas la police, non, qui met le cop dehors pour qu'on ait ça n'est pas réglé. Les gens même qui ont dit mais ça va le régler. Mais ça, si les gens qui ont dit mais ça va le régler, mes amis. On doit à disposition pour les gens qui ont venir pour monter sur récif. Ou bien pour les gens qui viennent et dire ah, j'aime moi, là, nous ne pas venir comme ça, nous faisons une stratégie. On met dans la situation ça. Mais là, on annonce qu'il y a venu, ils viennent quand même, mes amis. Moi-même, personnellement, j'ai un problème avec ça. Par contre, si nous entendons, dernier voice, citoyen qui a dirigé pour pouvoir être ça. Après ça qui finit de passer l'Esther là. J'ai carrément dit que l'Esther là vini. Maman petite, papa petite, pas vous et l'école. Il dit ça dans voice.
Elle dit que la vine Lester, la vine pour de bon. Alors pensez que les monsieur vini vrai, il fait des blousailles Lester tout et plusieurs monde. Et puis l'État va l'annoncer, la police va le mobiliser, etc. On sait le bail sur la Tibonite, moi je vais le prendre au sérieux. Pendant ce temps, il a annoncé, il dit mais ça l'a vini fait. Ouais. Même j'ai envoyé ça sur le téléphone, moi, monsieur expliquait que. Moun ki gen ti moun pa voye l'école dernier jour sa yo parce que yo gen pou yo rive Lester et yo pa vini tan kou innocent tan kou enfant de cœur. Konn a ki sa pral di m les nèg sa yo vini yo débarqué Lester yo touye 5 moun 10 moun 15 moun 15 moun 20 moun 30 moun. Les ça l'état pral sorti note pour déplorer, l'état pral sorti note pour condamner, l'état pral annoncer que yo pral dis yo pral dat. Par contre et pas même effort, non, on a fait pour ça dépenser l'argent pour connaître ça, gang n'a pas le faire, ça gang n'a planifié. Gang n'a été tellement à l'aise, dis-nous, mais ça va le faire. Et puis nous quitter le faire quand même. Là, nous voulons avec ça. Si nous pas, ok, on dit que nous avons décidé de faire un enseignement important, pas décidé d'investir pour une information. Mais laisse ça, on a dit que comme gang n'a pas parlé, comme gang n'a pas intervenu sur les réseaux sociaux, comme gang n'a pas dit rien, on ne va pas commencer à régler. Mais je dis à le facile lui pour nèg là il dit ou telle zone tel zone n'a privé sur telle l'heure. Li facile pour nèg là dit nous mettre poser nous monde tel côté demain matin ou bien non semaine là n'a montrer nous qui boire nous chauffer. Ou dire là tu pas prendre nèg là au sérieux. Mais il le fait le vrai. Ça va le dire. Et bien c'est ça oui. Pourtant moi m'attendre l'argent yo dit chaque année vous comprenez que nèg ici à retirer dans le budget, dans le trésor public, la Sénégadil comme ça, pour question de renseignement, moi je dis. L'argent au niveau de la primature, l'argent au niveau du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, l'argent pour la police, etc. Bon, bien que vous dites, dernier moment, ça, primature à patrouiller, puis il faut l'argent, ça, vous m'avez dit tout. Maintenant, qui ça va faire avec vous? Moi-même, je dis, dans le cas de l'examen, si vous avez déjà opéré, vous n'avez pas de trop. Trop fort pour faire, pour chercher qu'on les a réglés, il y a trois choses à faire. L'autre exemple encore. Les bandits de Savien, base Grand-Griffe, ils ont menacé pour attaquer l'infrastructure barrage qui est dans la Tibonite. Minimum secrétaire, ils ont menacé pour attaquer. On a qui sont prêts à le dire. On va attendre que c'est les nègres qui arrivent dans la vallée là. Mais au DVA là, on a écrasé final avec gros pompe de là, ou bien qui coûte les tons paquets d'argent. Et puis c'est laissé ça, la police, l'armée, Kenya va mobiliser, vous voyez, 5 chars, 10 chars, 11 chars. Laissez ça, mon fin mourir, et faire ce que je suis gazé. Et je pense que c'est ça qui dérange. Par contre, je comprends Ronald Lézon. Moi, je suis guerrier du seul avec l'autre pour la boîte qui passe là. Une question fondamentale nous devons toujours poser. Est-ce que la police à elle seule peut résoudre le problème de sécurité que nous avons là? Nous-mêmes, nous te répondons sans langue de bois, non. Parce que l'un des gens qui a visé, qui connaît, qui a parlé, l'un des experts en sécurité, nous rendons compte que son sécurité à son chaîne. La police son maillon important dans la chaîne. Mais on paquet l'autre maillon tout. Il faut qu'il y ait là pour chaîne non seulement chaîne, mais tout pour arriver à rentrer dans n'importe quel monde. Avant de se reprendre dans les hommes. Donc si l'autre maillon est cassé, ou bien pour une raison, l'autre n'a pas joué ou elle pas joué. La police qui a perdu, lui-même a fait des interventions et puis il est considéré comme des coups d'épée dans l'eau. Tellement il est révélé inefficace. Maintenant, est-ce que la police mettait avec l'autre force ou bien principale force de sécurité en de pays, il est capable d'empêcher les bandits à l'aise ou bien il est capable d'éviter que les bandits eux-mêmes. Ils commettent plus d'actes criminels, plus forfaits. Ou bien, ils ont empêché les bandits et tant d'attaques beaucoup plus sous le pays. Ça me passe ça. Vous comprenez bien? Nous ne pouvons pas être mentis pour raison qu'on est déjà. Pour nous dire,
la police qui a résolu le problème nous est là. On va pas être dans ça. Mais par contre, nous pouvons dire comme faire la police mettait avec toute force de sécurité en présence capable d'empêcher les gens à l'aise ou à l'aise là. Maintenant, pour ça, arriver fait, lui demander une volonté politique. Et c'est ça que nous manquait depuis un bon bout de temps. C'est ça qui mène à nous là, toi. Lui demander ça. Lui demander une volonté politique, m'a pas ajouté réel. Ça va être bluff. Bon côté, tout acte n'a pire au niveau. Yo. Et après ça, au bras, il vient jouer une collaboration population en dernier lieu. Donc ça veut dire, faut que moun ka pense pays yo même yo bon plan. Là au fin fait montrer de volonté ça n'a pas l'air. Et faut plan ça qu'on y a là regarder faisabilité par rapport à configuration. On y a bien joué un technicien yo en dans l'armée, en dans la police pour dire mais ça ne plaît. Et même au niveau des plus hautes autorités du pays, on pas même qu'on dit ça défini qu'ils a voulu, qui ça même yo entend faire qu'ils a espéré, qu'ils a objectif yo. Tellement de divergences. Donc la police qu'on y a vint nanti sou liel. Même des nèg qui battent de la police qui doit avoir volonté, qui dit l'élevé face à une situation côté que le décap pose une action, qui tape de résoudre un bon problème, oui. Mais l'oblige réfléchir 10 000 fois parce que le pas connaît, nèg qui a commandé opération qui a gagné comme plan, ou bien nèg qui sous tête y a comme supérieur hiérarchique, il pas connaît qui coup de fil, qui s'accade dans la radio communication, qui fait le fond retrait. Donc ça veut dire qu'on bagaille. Pas définir depuis en haut qui vient faire toute négociation prudent pour pas déranger supérieur ou pas déranger boss. Donc voilà pourquoi nous dit ou pas commander la police là efficace ou pas commander force là mais efficace ou pas commander même mon qui vient d'oyo efficace si vous êtes au plus haut niveau nous pas définir qu'ils en veulent pour pays là sous qu'ils en entendent nous qui côté nous sorti côté nous pour aller et battre les moyens nécessaires pour y parvenir. Ça dit est tellement important. Moi rappelle-moi. Je t'ai expliqué mon ça déjà dans le micro. Hein. L'heure dit gang en Haïti, ou pas seulement ouais manifestation problème à savoir ne qui gagne zame dans mais souterrain cap terroriser hein. Mais il y a des éminences grises tout qui gagne que si pas gagne Jean Abdil là une volonté réelle bon côté l'état pour que l'attaque moun ça autour problème n'a pas résoudre d'ailleurs. Là on a parlé de question criminalité en Haïti. Surtout dans temps ça. Ou pas regarder seulement sous action nègre sur le terrain non. Puisque insécurité à moi-même l'idée politique l'idée économique tout ouais parce que il y a deux nègres là qui gagne deux groupes armés sous terrain là qui a préparé un ensemble de bagages parce que nèg ça croit que c'est seule façon pour que il gagne élection pour que il rete chef ou bien pour que il toujours gagne un agenda politique que l'a fait passer ça sont aspects qui importants. Bon, l'autre aspect qui est important encore, que un peu le monde passe à souli. Je dis là par exemple, kidnapping a fait, trafic d'organes a fait dans le pays. C'est de barrières économiques. Par exemple, qui est-ce qui contrôle les couloirs ou bien circuits que par exemple qui gagne entre Haïti, Jamaïque et Colombie côté que doit passer, je dis là. Pas de contrôle sur ça, non? Et si pas de contrôle sur lui, la police n'a pas qu'à décider bon matin, c'est bon, moi-même, je vais mettre contrôle sur lui, non? C'est pas ligue de faire ça. Il y a instance pour ça. Ça comme on parlait de chaîne tout à l'heure. Yeah. Donc ça veut dire que si au plus haut niveau de l'État, c'est la discorde, c'est la division, c'est un ying-hang, c'est une bataille pour pouvoir qui a fait. Eh bien, il est clair que sur le terrain, la police capable toujours faire des efforts que nous apprécions. Mais résultat concret, hein, pays a pas gagné. Parce que la question sécuritaire, pour ce bien dit ça là tout à l'heure, c'est une chaîne. Et la police est le dernier maillon de la chaîne. Bon ensemble de dispositifs, bon ensemble de préalables qui pour mettre là, mettre sous pied pour que nous garantissons question sécurité. Ouais. Je dis par exemple, pour le ministère de justice avec une note pour annoncer que vous pourrez l'attaquer PM. Hein? Qui est-ce qui pourra l'attaquer PM? À quelle fin que pourra l'attaquer PM là? Est-ce que vous comprenez? Qui mécanisme que le mettez en branle, qui intérêt que PM n'en barre, que moun sa besoin que PM n'en barre, etc. Ça veut dire que un ensemble de mécanismes qui pour actionner dans le moment que nous avons parlé là pour que nous attaquions la question de sécurité. Parce que
Mon yo gen pensé que on l'a dit ça dans micro ça même. Si la police redoubler d'ordre souterrain là, redoubler des folles bataille, les touiller par exemple 5 ou bien 10 chefs gang, problème insécurité à résoudre dans le pays, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que moi te dis ça, gagne un levier, bien un bras stratégique souterrain qui a payé alimenter question de gangsterisation. Gagne un bras administratif parce que comme n'ayez touché dans kidnapping là, au côté yo fait le voler, comme trafic d'organes, au côté le blanchi, comme drogue là, au côté le blanchi. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que son pareil qui mérite un effort simultané que au plus haut niveau de l'État, par exemple, je parle du ministère de justice qui a bien implémenté une politique pénale pour attaquer à nek kap fè zam antre de manière illégale dans le pays, pour attaquer à nek kap fè katouche ou bien femme kap fè katouche antre de manière illégale dans le pays, ou bien nek ki nan économie criminelle là. Quoi? Il fait appel à ministère intérieur qui pour et fermer frontières poreuses que nous avons là, je dis, là, qui permettent que les gens doivent continuer à tomber sur le docteur Juno Félix. C'est bizarre, je dis, là, bien sur la plage, dans le sud, là. Et puis, il y a un bateau jamaïque qui débarque sur la plage, là, les gens descendent, ils mangent, ils boivent, ils finissent à aller. Pas de monde qui m'a dit, pas de monde qui m'a dit, qui m'a dit, qui m'a dit, qui m'a dit, est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que tout ça, c'est de bas qui fait partie de la question de sécurité, qui mérite que vous adressiez avec. Et en pile science, en pile intelligence, en pile bon sens, en pile connaissance. Oui? C'est pas seulement la police, comme si Mdaradou qui est là, qui pourra battre, etc. Et puis, d'ailleurs, dans la conjoncture politique, ça, récemment, là, nous avons dit ça dans le micro. Ça. Le par exemple, division plus haut niveau de l'État. Dans qui posture nous mettez par exemple au commandement de la police là? Et est-ce que par contre, qui est-ce que vous l'autre? Est-ce que vous comprenez? Chaque monde a pris le bas dans la tête. Dans qui posture nous mettez par exemple? Et au commandement l'armée. Hein? Ils ne sont pas capables de travailler de manière efficace pour que vous adressiez ces problèmes. Non? Parce que moi, je dis que la bataille là, il faut que la police a goûté sur le terrain avec bandits et examen. Mais au plus haut niveau de l'État, il faut que vous gagniez de grandes décisions qui apprennent pour attaquer des gens qui ont alimenté les problèmes dans tout souterrain. Mais pour décision ça, il faut gagner harmonie. C'est clair. Il faut que un bon rapport avec les différentes instances dans l'État. Yeah. Pour nous capables de courir sur Dia, alors il y a eu courir sur Dia. On imagine que les qui t'a attaqué à Kaye ont replié là. Parce que plusieurs n'ont tombé, parce que plusieurs n'ont victimes, etc. Mais là, on retourne là, même si toute unité spécialisée en de la police à présent dans Kaye, mais qui ça qui empêche les gens eux-mêmes, il y a approvisionné en armes et munitions. Pas rien du tout, on y a là, les replié à l'ambassade. Si c'est pour un couloir, vous comprenez, qui a géré là pour permettre que plus d'amis de plus de munitions de Vidjonio, et vous débarquez à Kaye encore, ou bien à Kaye qui sous-côté avec plus de monde, plus d'amis, plus de bagages. Yeah. Donc pendant la roue, l'État fait travail ça au niveau de Kaye, soit travail pour boucler les zones, et pour encercler les périmètres, etc. Mais on y a là qui travaille fait dans l'autre niveau, mais dans l'autre instance compétente, pour empêcher que vous continuez à approvisionner tête en amis et munitions. Rien qui dit pendant que vous arrivez à Canaran, vous arrivez au village, mais vous arrivez côté de Sotia là, pas qu'un zam qui vient de nous là. Et bien, c'est la vie, merci à terre. Vous dites, l'un des gens avec le gros zam qui là, vous venez frapper avec les policiers sous place. Qui vient d'arriver au moment où vous dépassez par les événements, etc. Donc à ce moment-là, vous allez faire retrait. Et automatiquement, vous relâchement, bon côté force, pour quelle que soit la raison, vous reprise à l'arbre évident. Et qui dit représentant, c'est la population civile qui va le payer ça. L'exemple est très clair. Pour un raison bien pour l'autre, il y a un relâchement au niveau de Solino. Jusqu'à avant la police était annoncée, il est établi basé dans Delma 24 là. Et mais le relâchement, ça nous a expliqué ça mardi, il n'est pas sans conséquence non. Il était facilité que Negio retourne en dans Solino. Parce que tu as un dispositif de sécurité que tu mets en place. Pour un raison pour l'autre, tu t'es retiré. Bah, pour qui ça, je ne vais pas vous monter. Mais pour un raison pour l'autre, tu t'es retiré. Mais pour quelque raison, pour quelque soit la raison retiré là, ou d'accord que Bandi Ali m'a fait, c'est dans la bataille liée. Il considère ni ou ni population comme ennemi. Là, il a fait. Mais automatiquement, le relâchement, ou bien il est continué à délaguer, il vaut, il profite de l'occasion. Mais il est retourné. Il a retourné plus criminel que j'en devine avant. Et en pile fois, c'est au président, ça. Nous avons expliqué ça récemment. Sous situation canapé vert, sous situation mon début c'est avec zone gare voisine. Vous pensez que
bandit Grand Ravine, ou pensez que bandit Village de Dieu, y a jamais pardonné moun canapé vert, moun Debussy ak zone qui sous côté yo, ça qui t'est passé le 24 avril 2022. Et c'est pas pour sans raison qu'il faut, ouais, jusqu'à présent moun zone ça yo, yo toujours sous des pieds militaires parce que yo maintenant tu à n'importe qui moment. Et on peut attaquer eux. Que ce soit policiers dans la zone là, ou bien l'autre notable dans la zone là qui contribue, se mettre des barrières, monter brigade, etc. Et bien c'est ça qui arrive. Lorsqu'il y a un mariage entre la population et la police nationale d'Haïti, pour résoudre pour l'autre, policier qui était présent, ou bien qui était bon côté population, ils font retrait, et bien je ne vais pas mentir, la population est vulnérable. Nous avons dit, nous avons fait des bandits, nous avons tous les bandits, nous avons tous les bandits, mais vous, vous verrez. Donc c'est comment qu'on peut marier ça le plus longtemps que possible. Et c'est ça tout le débat. Ouais. Comment qu'on peut marier ça? Malheureusement, les querelles politiques qui gagnent au plus haut niveau de l'État, pas pral sans conséquence sur le mode intervention. Je n'ai pas besoin de répéter ce que je dis, je suis clairement dit. Qui s'accarasse. Le ni Rambo, ni Derby, guerrier comme lieutenant général Lamea, ils ont eu une situation pour voir qu'on est. Est-ce qu'ils sont obligés de suivre instruction CPTA? Est-ce qu'ils sont obligés de suivre instruction Gary Conille comme chef de gouvernement, etc. En jour. Et si nous regardons bien, ce n'est pas un 4 blanche, non, mais Rambo. Mais ce même, on va capitaliser sur Rambo. On va capitaliser sur Fosta, même sur Kenya, on va capitaliser. Mais parce qu'il y a bien travail, non? C'est parce que moi était croué on a des hommes guerriers du seul. Si pas gagné, on va qui définit depuis en haut, pas aucune façon pour ni Ramo, ni lieutenant guerrier, ni les Kenyans. Bon, il est efficace. Si depuis non plus haut niveau, nous par contre ça ne voulait, nous pas défini, on va bien spécifique pour nous dire ok monsieur. Mais ça ne voulait, mais comment on va aller, mais moyen a besoin, mais moyen gagner en avancer. Et puis pour monsieur technicien, yo, ne qui connaît la matière eux-même, ne qui quelle stratégie eux-même pour atterrir. Moi-même, dans mon petit cas, c'est encourager Rameau dans le travail, parce que y en a qui entre dans l'enclume et le marteau qui quand même a pu se camper trop en action pour bataille contre bandits. C'est quand même à encourager. Je comprends, c'est comme Bakon Ramou, Mbazan Mil, Bakon Entourage, je dis, que j'aime rencontrer lui un jour dans la vie. Mais quand même, nos conjonctures comme ça, et si ils font, il faut pour la police la Kimbi quelque part, c'est encouragé. Ouais. Mais maintenant, on va vous dire la question mariage police-population. Et dans plusieurs autorités, Premier ministre l'a dit ça, il y a un paquet de monde qui dit ça, que y a une nécessité pour un mariage police-population. Mais au plus haut niveau de l'État, on nécessite pour un mariage l'État population tout. Vous comprenez? Faut qu'on mariage l'État population. Un mariage l'État, l'État, un mariage l'État population. Oui, un mariage l'État, l'État. Et puis un mariage l'État population, parce que t'as dit. Si chaque fois on est monté sous pouvoir, c'est intérêt pâle que le vin gérer. C'est bien-être pâle que le soucieux de lui. C'est sécurité pâle que le vin assurer. C'est intérêt économique pâle que le vin défendre. Et puis la garde misère criante qui gagne au niveau de population. La garde insécurité généralisée, gangsterisation et patati et patata. Donc quelque part, ou pas qu'à demander que des résultats concrets comme si que population mariée avec la police pour le combattre bandit. Y'a l'autre barre pour nous garder. On a parlé tout à l'heure là de actions qui pourraient oublier au niveau de l'État. Qu'est-ce qui bail déjà oui. Par exemple, m'a regardé au niveau international. Gros ensemble d'acteurs que blanc carrément sanctionné, cité non, yo dit maintenant qui ça yo. Mais pas qu'un suivi qui fait au plus haut niveau de l'État, non. Or, nous nos contextes ont été insécurité à valider terrain. Est-ce que si il y a des efforts qui fait par exemple pour que il y a des poursuites judiciaires qui engagé pour regarder est-ce que monde ça impliqué vrai si impliqué mais qui sanction qui doit pour etc. est-ce que ça pas diminuer question insécurité à souterrain c'est à bon grand partout même si pour la police t'a boumé avec nèg qui gagne zam dans mel cap bataille contre et bandi en fait la police cap bataille contre bandi gagne zam dans mel mais faut l'état bataille de contre des cap alimenté ouais il pas qu'en politique de poids et de mesure non. Sinon, pas de bon résultat concret sur le terrain. Ou pas de bon résultat concret. Et d'ailleurs, qui ça a passé là? Un ensemble de nègres. Non, yo cité dans la sanction internationale. Mais c'est des nègres qui ont préparé une élection, je dis. Tu comprends? Mal tombé sur la vidéo, il y a un nègre qui a expliqué aux journalistes là. Mais ils ne sont pas condamnés nous. Ils disent nous, ils sanctionnent nous pour nous changer le comportement.
Non mais c'est de fait c'est ça lié parce que dit, c'est une sanction pour un an, si je ne me trompe pas. Oui, pour carrément. Et il dit c'est pour encourager changer de comportement. Donc ça veut dire si on fait profil bas, ouais. Il n'y a pas un maire des mondes, il n'y a pas un maire des. Il y a un maire des mondes. Vous avez un maire des haïtiens. Si vous montrez qu'il a changé, ou après un an, deux ans, il a retiré sanction sous le dos. Alors, M. Mbappé, vous avez parlé dans le même sens avec nous, à savoir, à part d'intervention que la police a fait, parce que ça fait longtemps que la police n'a pas fait une opération bien planifiée. Yeah. Ouais, c'est plus des interventions qu'ils ont fait. C'est, l'autre aspect, c'est empêcher que M. Yo joue une cartouche, joue une âme. Yeah. Donc, pendant que la police, sous place, a fait des interventions, mais côté l'autre entité dans l'État, qui lui-même a soit a cherché des gens qui ont parce qu'ils ont des maîtres. Il y a des gens qui ont acheté des âmes. Alors, le DCPJ n'est pas au courant de ça. Le DCPJ n'est pas au courant de ça. Ça veut dire que pendant qu'il y a des policiers sous place qui ont attaqué, et puis le DCPJ a mené une enquête, fait des interventions dans la caille. Vagabond qui a acheté des âmes et des munitions pour bandits. Et puis, leur opération a fait, par exemple, à caille, un foyer au côté de sorti. Voilà. Ça la police fait pour le bloquer renfort. Hein? Central là, c'est nous qui côté lié. Et bien, il y a une opération qui a fait au côté bloquer axe qui mène à renfort. Comment pour bandit faire tout le temps ça sous la mer? Hein? On n'a pas l'autre bail qui arrive à. Hein? Côté garde-côte. Même les, c'est yon nous deux, nous tous battons de gagner. Mais au moins, tu as une intervention qui fait aussi rapide. Si yon pas de moyen, que dans le niveau de l'État, yon pas de moyen. Frontière là, qui ça qui fait aux frontières là? Moi, libre. Moi, je suis dans le niveau de l'État. Bon, au niveau de l'État, mais yon là, yon cap touché. Moi, je suis dans le niveau de l'État. Donc là, yon cap touché comme ça. Tu vas voir ça qui passe dans le niveau de l'État? Oui, mais c'est ça que nous avons fait là. C'est pas une harmonie dans le temps. C'est là, mais messieurs, à terre. On a le dit, contre nous qui est libre, ou partager la mer avec un paquet d'autres pays qui ont même chargé de gang tout. Regardez l'exemple sur le bail là, un petit bateau qui sorti Jamaïque, venu manger poisson poisson, sur plage. Après ça, il retourne à la caillou. Alors, il y a des gens qui disent, oh merde, si c'est même si c'est cartouche avec munitions et potées, il y a des gens qui t'appellent, je me dis, oh merde. Mais c'est trop facile. Combien de fois, les gouvernements, les CPT, les gouvernements, ils ont chita avec toute entité qui dans la douane, par exemple, pour dire, monsieur, ça nous besoin, douane, qui ça nous besoin? Hein? Pour être capable de faire travailler là, puis bien. Sous frontière, là, combien de fois ils ont chita avec Polyfront? Hein? Pour qui ça, qui ça que tu as fait pour au moins découvrir plus de lignes dans le niveau frontière là? Yopito a bataille ouais, pour qu'il y ait plus de pouvoir, ouais, pour capable aller remporter l'élection, ouais, soi-disant élection. Yeah. Aller remporter soi-disant élection et puis continuer à faire pays dans ce salier là. Nous avons fait nous sommes fatigués, oui, à ça. En tout cas, pendant que nous parlons de bataille là, monsieur, pendant que nous avons pour décision prendre un pire au niveau de l'État, pendant que nous avons que CPT, Primature, mettez tête ensemble. Pour qu'on ait finalement qui direction, il y a un pays, il y a un pays, hein? Et bien, bataille à la rampe. Jusqu'à présent, CPT avec Primature, c'est Ying Hang, c'est Iran qui a dit ça. Ils n'ont pas décidé qui est pour l'autre. Et pas qu'il n'y a pas qu'une entité dans le pays là, qui a mis au chita. Bon, tant de l'église, gado, l'église. Mais c'est pas grand monde qui a fait médiation pour dire monsieur ça pas possible. Ben tout entité nous on a fini craser papa. Hein? On va dire dans carré comme nous pas faire dépassement. Bamba chaque intérêt par eux. Nous connais même deux jours ba nous information. Depuis dernière tentative pour te
fait au conseil des ministres semaine dernière là. Pas jamais pas ça qui va encore. Et on dit mercredi 23 ça te doit gagner au conseil des ministres. Tout le monde cabe sur la ministre, c'est là un paquet de décisions. Décision adoptée hier. Quand on a parlé de décision pour prendre au niveau de l'État, on va nous dire ça tout. Et il s'est que pas qu'à le conseil des ministres si pas qu'on le ministre. Voilà. Et ça qui est priorité. Non, mais dis-nous ça. Ok. C'est électoral monté. Je dis qu'il faut qu'il y ait des changements qui viennent dans le gouvernement. Donc, où est pendant tout le temps ça? Tant pas rien changement, tant bataille, etc. Donc, qui décision sérieuse pour éviter pour pourquoi le monde bagage? CPT a fait pas, Kony a fait pas. Non mais tout pas gagné qui empêche que Chita Sam te faire changement. Si c'est ça qui a... Non mais c'est ça qui a fait bah vous débloquer. Ouais. Même aussi parce que mon gars là c'est pas parce que bah le résultat passé ça non. Bah le résultat qui nous va arriver. Bon garanti si yon ouel l'autre là je dis à lui il va dire bonsoir. Moi je disais octobre là au fond 6000 là pas été là mais etc. Comme caméra t'es là. Ouais si on t'a rencontré à deux. Et puis tu as l'ouvre bouche, tu parles ensemble. Je parle de chef gouvernement ou bien président CPT avec quelques conseillers. C'est bêtise. Tu vas mettre mes frères. Tu vas me reprendre samedi avant nous. Et puis tu parles, c'est bataille. Si ce n'est pas caméra, là, journaliste qui là, etc. Ils font comme si vous n'avez pas l'air dans mes biens. Dans ce. Depuis que tu as rencontré, je parle de premier ministre, je parle de quelques conseillers, notamment le président du conseil. Depuis que tu as rencontré là, c'est souci qu'à contrer, c'est jouer, mettez bien, c'est bêtise comme ça. Yo va parler. Et on dit comme ça que le gars va parler de mon semaine. Donc si on va parler en privé, on a besoin de me voir officiel. D'ailleurs, je t'ai expliqué ça dans la semaine. Je dis pas qu'à le conseil des ministres, si pas gagner au gouvernement ministériel, et pas qu'à le conseil des ministres avec mes appels. Comment vous avez fait ça? Comment vos décisions vont adopter là? Comment vous avez réfléchi sur qui j'en a défini une politique qui répond à la réalité de là sur le plan sécuritaire? Et par contre, qui est-ce qui dit ça? Je m'appelle un truc métronome. Mon citoyen qui dit à chaque fois que tout désaccord, toute divergence, toute bataille, toute ring, nous avons mis un pic de autorité. C'est que mieux que vous en pensez. Oui. On va définir la stratégie. Même si c'est ça que je dis pour capitaliser sur la voie. Je suis venu sur la voie, je suis venu sur l'armée, je suis venu sur la police. Même pour capitaliser sur eux. On dit qu'il y a des problèmes. C'est des décisions politiques qui vont résoudre. Mais si on y a au plus haut niveau politiquement, pas qu'à gagner un temps. Donc automatiquement, la police a une situation inconfortable. L'armée a une situation inconfortable. Même force ça n'a pas lié à la situation inconfortable. Oui. Même si on a déjà un paquet. Réserve, zo yo. Par contre, vous comprenez. Donc, la bataille a continué. Vous songez, Gary Kony, sorti Moyen-Orient, ensemble avec Kenya. Il a une conférence pour la presse près d'une trentaine de minutes dans le salon diplomatique. Il a dit qu'il saute Émirat Arabes Unis. Il va résoudre le problème de sécurité parce que il y a de gros matériels, il va faire acquisition, etc. Vous songez? Vous ne songez pas à l'arabe, nous? Eh bien, ça me l'est. Si je vois Voltaire, c'est un voyage touristique à Gonidal. Parce que Leslie Voltaire écrit Antonio Guterres le 21 octobre qui se passe là. Il dit Monsieur Guterres, c'est vrai, il y a des TG Fokfet, c'est vrai, Outo, il y a un leadership, là, mais c'est vrai. Il dit je dépasse par les événements, transforme mission en bouillon. En une opération de médecine paix. Mm-hmm. Non, pas de Voltaire. Voltaire. Mm-hmm. Oui. T'as des bizarres me dire, je voulais me saisir. Gary Vinil sur Émirats Arabes Unis, ils vont acheter du matériel sophistiqué, etc. Ils jouent des accords, coopérations, ensemble avec des pays saillants qui promettent que Mons et Merveille, etc. Ils ont annoncé qu'ils prennent mater phénomène. Et maintenant, même pour voir ça, près d'une semaine après, ou bien une semaine et plus après, et si Voltaire dit, tu restes pas la dépasser. Ça veut dire, si vous ne pas parler, bon, non, Johnny Wabri, si vous ne pas parler, c'est vrai, si vous ne pas parler, donc, pour nous, Gary Kony, pas même qu'a dit CPT à sa regain, qui avance le fait, qui s'est discuté. Chaque monde a fait par l'ami. C'est deux pays différents. CPT a dirigé un pays,
Gary Kouni a dirigeant l'autre. Kounia, c'est nous-mêmes, population civile qui connaît qui Haïti nous y est. Mais Haïti, monsieur Kounia, qui est lié, pas Haïti, monsieur Zébédé. Avant de finir, je vais me dire qui est dans la lettre. Les 6 Voltaire voyés par Antonio Gutiérrez dans nos conseils présidentiels. Port-au-Prince, 21 octobre 2024. Monsieur le secrétaire général, je vais essayer de faire un créole. Mm-hmm. Français, rentré sorti. Et me présenter dans nos peuples haïtiens. Remerciements les plus chaleureux, bien sûr, pour dernier rapport sur situation qui a évolué en Haïti, sur situation Haïti, et spécialement intervention devant Conseil sécurité lundi 30 septembre 2024. Là, dans le moment séance, ça. Côté Conseil et Sécurité a adopté résolution 2751 qui était prolongée pour une période de une année encore, mandat, mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Moi, je voulais souligner tout, leadership président Kenya, son excellence monsieur William Ruto et aussi des gouvernements des États contributeurs, État Kabaïwa et Kabaï Mounio, et qui permettent depuis le 25 juin dernier, déploiement yon parti dans contingent en mission ça en soutien aux efforts de la police nationale d'Haïti. Depuis l'LRIVA, plusieurs opérations conjointes ont été menées avec bien sûr des résultats consentis. Et si Voltaire a parlé, toutefois, moi dois souligner pour vous que gagné des défis énormes qui étaient encore à surmonter pour capable permettre population haïtienne de vaquer librement à occupation. Jeudi 26 septembre dernier, collègue moi, conseiller président Edgar Leblanc fils, dans intervention dans débat général 79e session Assemblée générale Nations Unies, t'es expliqué défi ça et en même temps t'es proposé transformation mission multinationale d'appui à la sécurité en une mission de maintien de la paix de l'ONU. Ça qui après elle permettre lui bénéficier de moyens et de un mandat beaucoup plus important. Et c'est dans l'avant-dernier paragraphe là, eh bien, M. Voltaire dit, reformuler demande là, face à l'urgence de la situation, je viens à citer M. le secrétaire général, solliciter la transformation le plus tôt possible de la MMAS en une mission de maintien de la paix. Je saisis l'occasion pour vous renouveler, M. le secrétaire général, les assurances de ma haute considération, Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition. D'accord, ça commenté, mais m'a simplement rappelé que dernier voyage Karikouni, ils sont au Moyen-Orient, à l'OM, vous blendez l'autre bagaille, etc., qu'ils ont acheté dans mes pays Émirats Arabes Unis, bah oui. Mais le Kenya, et l'Elder River Kenya, qui sont des défaites. C'est des annonces que, avant janvier, fin novembre, pour être plus précis, il y a de l'autre contingent policier qui n'est pas venu. Il était même annoncé un contingent de police soative qui a constitué seulement deux femmes. Oui. Donc ça veut dire, pour M. Kouni, un, mission à lui-même, il a pas avancé sous lui, et deux, libre à l'acheter des matériels sophistiqués dans mes Émirats Arabes Unis. Je n'aime pas aller avec des conseillers présidents. Pour nous, ça veut dire. Lorsqu'il veut connaître un chef voyage touristique, qu'on a été fait, qu'on a acheté des matériels dans l'État pour faire des commissions. Vous avez ça, vous avez dit. Je dis, c'est une information de ça, vous avez. Je dis que vous avez besoin de faire 100 000 faire comme. Vous avez besoin de commissions, une série de contrats, faire l'État, acheter une série de blindés, ça, vous avez de l'autre matériel, vous n'avez pas fait comme vous. Je ne vais pas faire parole, ça, vous confiance à 100%, mais ça fait déjà. Où est blindé que tu as ton bouillie que tu as acheté sur Jovenel Moïse? Si nous avons des particuliers qui font comme dans le bas de la vie, fait l'État payer un paquet d'argent, à l'acheter un série de blindés, pas même adapté à la réalité. Hein? Et puis, c'est des Haïtiens, oui, encore, qui connaissent que comparer ça, qui vendent des blindés, pas forcément plus bon comparé, ou bien blindés ça, ou acheter, pas forcément meilleur blindé. Mais le fait que vous connaissez à fond comme vous-même, vous font bel l'argent, vous quittez l'État acheter quand même. De toute façon, on m'explique que peut-être qu'on doit questionner Saoudia, mais connaissant la Russie, ça n'est pas impossible.
pour des contrats qui cherchent à signer là dans l'État haïtien pour faciliter des nègres ou des groupes pour faire des commissions. Il y a des gens qui sont riches, ils ne sont pas comme ça. On l'autre jour, on a parlé de ça. Donc, moi, je voulais expliquer, pendant que M. Kony voulait avancer comme ça, dit avec voyager en Émirats Arabes Unis, avec aux Émirats Arabes Unis, avec voyager au Kenya, etc. Il y a des bagages qui sont faits là, mais parallèlement, Voltaire écrit et secrétaire là vous le dit, il y a renouvelé. Ou bien reformuler les demandes pour transformer la mission parce que entre les lignes, il y a dépassé par les événements. C'est vrai qu'il y a des bagages qui sont faits, c'est vrai, mais là, il y a des défis énormes qui ont été à relever. Donc, pour capable de la mission à moyen pour répondre avec la réalité moment et le mandat qui est le plus important, il faut que rapide, vite, moi, mais ça le plus tôt possible. Je vais me battre avec le gouvernement, c'est une décision CPTA. Ou parler avec une CPTA, ça est une décision. Le gouvernement, à the end of the day, que peut-on espérer? Parce que c'est là toute l'inquiétude. Même si la police, tu as fait toute ça, le capable, la mettre, tu as fait tout ça. Depuis notre tête là. Pas vous dire ça. C'est une réalité. Encore une fois, c'est le peuple qui a pris gros perdant. Oui, bonjour, messieurs. Oui, bonjour, Johnny. Oui, bonjour, tout le monde. Nous allons continuer à parler. Insécurité, donc elle est arcaïenne, puisque il y a une information qui fait quoi, il y a plusieurs dizaines de bandits qui sont tombés dans l'échange de armes avec la police. Et c'est ça, à Wilner à René, point focal, protection civile dans la cité de Rapoua rapporté. Et nous gagnons ensemble avec nous au matin. Wilner René, bonjour. Bonjour Pepe Haïtien, bonjour Mona Kayes, plaisir matin pour échanger avec nous sur la situation qui a évolué dans le pays d'Haïti, notamment dans la commune Akayes depuis lundi 21 octobre 2024. Là, des hommes lourdement armés déplaqués dans la commune non, et surtout dans la zone Bessy, et qui est une zone limitrophe entre Akayes et Cabaret. Et ils ont commencé à faire un pile de gars et boule de caille, faire un pile de monde qui était caillé. Mais la police et la population mettent ensemble pour comment est-ce qu'ils sont capables de gérer la question, gérer la situation, malgré et la police, même en petit nombre, effectif n'a pas vraiment élevé, et manqué matériel, mais il y a une unité qu'il a, effectif qu'il a, de constater la population, mettent ensemble pour comment est-ce qu'ils sont capables de contrecarrer et partir ça. Et pour moi, on a parlé là, comment la situation est. Et pour le moment, on a parlé là, et même j'ai entendu la production, et depuis avant, la police avec la population a mis ensemble, la police a fait échange avec Bandio, donc il y a plus de là-dedans qui tombent, en plus de là-dedans qui tombent, plus qu'environ 50 déjà tombés, dans divers coins, mais environ 50 bandits tombés et dans divers coins, et ça, c'est capable de partiellement bilan la police, arriver fait. Par rapport avec l'échange, résistance que la police fait avec Bandio et population qui accompagne eux, parce que la population est dans tout, capable de coin, dans tout en babanan, même il a orienté la police, aidé la police, et les messieurs même ils ont fait route en barrage, route dans le corridor. Pour comment est-ce qu'on a poussé ou tourné dans une zone côté de sorti, parce que Akayes sont communes historiques, ils ont communes stratégiques, une commune mystique. Donc, nous sommes pas capables de quitter la commune et tomber en bas de la main. Donc, c'est l'identité du pays. Malheureusement, monsieur, pas tenu compte de ça. Il n'y a pas de valeur du pays. Il n'y a pas d'identité. Il y a sorti pour attaquer à Akayes. Donc, énergie, et énergie positive, avec la police, la population a aidé nous mettre dehors. Et comment nous sommes capables de déchiffrer, en tout cas, chiffre ça, il peut se passer une cinquantaine de bandits qui tombaient. Et il y a parlé de un petit bateau qui était un bandit à Bali qui t'a porté munitions et renforts par l'équipe qui était sous place, qui fait naufrage. Évidemment, et dans la zone, alors la mer, dans la zone Royal, ou l'aime du Royal, dans la zone Saint-A. Et on a traversé pour aller porter cartouches sous zone et on a capable de lui by des hommes lourdement armés ou même qui déjà et commencé épuisé et ben ils ont rencontré avec un récif
Et dans l'échange, il a parlé avec l'autre, il a tel dit sorry, sorry, mais nous frappons dans le récit là. Et puis, comme ça, il a plongé avec toute munition, avec l'âme, il a été protégé. Donc, c'est environ une quinzaine, et petit parti ça, lui-même, il a plongé. Donc, entre autres, et 22, mardi dans 22, et dans l'après-midi, donc, groupe qui était affaissé rentrer vite là, et bien, population était alerté la police, orienté la police, et bien, il y a plus que 22 qui étaient tombés, et sans compter l'autre graine qui tombait à terre, et dans l'échange, dans la rue, donc, malgré même une stratégie, ils ont fait couverture, ils ont pris un coyo, parce qu'ils ont toujours gagné avec leur motocyclette, ils ont toujours gagné avec leur machine, dans toute bataille à mener, mais la police, quand même, frappé en pile. Mm-hmm. Ok. Après ça, l'autre chiffre, ou. Donc, bandit, ça, ils ont mouru dans quelle zone comme ça? Donc, on a dit, ils ont tombé dans une zone Thomas, Vigné et Carrefour-Poix. Et c'est dans une zone où il était plus à faire résistance avec la police, et puis c'est dans une zone où il a tombé. C'est dans une zone où il a fait un pile de gars, il a boulé un pile de caille, il a boulé machine, il vient sur route. Donc tout ça, il vient sur route. Mais tu fais la donne. Et un pile de gars, on s'est dit, deux tiers de la population ont déplacé. Alors, et grand monde, petit monde a fait femme, alors mon troisième âge, déplacé, monté dans la section communale. Pourquoi on n'a pas allé là? Malheureusement, pas d'infrastructure sanitaire, pas d'infrastructure sanitaire. Pas de l'eau potable dans la section communale et aucun patron n'est pas jamais privé. Depuis les 10, la première bataille a commencé avec nous, c'était le 10, ils ont fait un petit posé, ils ont renforcé tête au tourné. Aucun patron n'est qui n'ira à Ponam, mais pour que j'aime faire échange, même l'État ici au plus haut niveau, pour que même pour qu'un support avec les gens qui ont une situation vraiment critique. Et pendant qu'on a parlé là, on a dit encore, la police a fait résistance, mais il y a un petit nombre. Donc nous avons besoin de support à l'AMIA, l'armée d'Haïti, qui nous connaît là, nous avons une force militaire nationale là, qui est là, nous n'avons pas de présence, et monsieur a progressé et graduellement, et pour voir comment il est arrivé sur nous, parce que chaque lèvre est tombé, ça n'a pas empêché qu'il renforce la tête, parce qu'il est riche en ressources humaines. Il renforce la tête, et comment il est capable d'atteindre la commune. Mais jusqu'à présent, j'en ai dit là, la police avec la population a mis des têtes ensemble pour voir comment est-ce que sont capables de faire résistance, pousser en attendant que l'État central là, les deux lui-même, ou bien l'état-major police là, voir comment est-ce qu'ils sont capables de renforcer l'équipe là et nous et possibilité pour nous pousser et même quitter l'arrondissement parce que Akaye Cabaret, c'est des ailes de même oiseau. C'est parce que c'est siégé Cabaret qui fait que il y a une possibilité, je dis, pour voir est-ce qu'ils sont capables de tout prendre arrondissement qui c'est Akaye et qui c'est chef arrondissement. Donc c'est une bataille ça nous est là, et pendant que je parle avec vous, il y a un problème de signal, nous lançons un SOS avec les compagnies de télécommunications pour regarder comment est-ce qu'on est capable d'alimenter les zones avec signal, ça a vraiment critique, les populations ont gardé ça à l'aide. Et chaque fois après le gagner des gens de ZAC, ça a lancé des zones, notamment à Kaye, et puis ils sont tombés, NACOM tombé. Donc c'est parce que nous gagnons des. Son wifi me prend là, son côté me campé, pour comment est-ce qu'on est capable d'échanger avec. Radio Caraïbe et sous sa capacité à gagner. Oui. Alors, il y a une information qui fait quoi que tu as un renfort qui t'a pas le jeune la police là. Et monsieur, tu as vidé un camion roche sur route là, dans la zone sous mat là. Et également, tu as coupé pont Bethel là. Et après, tu as mis les rails sur les comme une sorte de piège pour la police nationale d'Haïti. Et, est-ce que vous avez une information ça également? Oui, dans la matinée, il y a deux chars qui descendent. Et renforcé nous, malheureusement, et monsieur eux-mêmes, ils ont campé à tirer avec Chayo, ils ont mis roche dans la route là, et en plus, un pont bétail là, c'est cabaret, et monsieur a crasé et censé briser pont hein, pour empêcher que la police passe. Mais il y a de l'autre moyen, il y a une voie maritime que la police a utilisé, la mer a utilisé, et il y a une voie aérienne tout, ils ont utilisé, même gens avant hier, ils ont été portés et des. Et renfort avec l'unité qui l'a eu, c'est pas voir rien dans l'hélicoptère. Donc, je pense que l'État a gagné l'autre moyen de transport pour être capable de arriver à joindre la population, pour supporter la population, pour aider à mettre les malfrats à eux dehors, qui eux-mêmes, on est capable d'une sale image pays, parce que l'on dit Akaye la cité, le drapeau, c'est l'identité pays d'Haïti. C'est là qu'il y a une devise pays, on comprend, l'union fait la force. Donc, je dis, on est dans une situation vraiment difficile. On a pas fini. Et chiffres en cinquantaine de bandits qui tombent, c'est des chiffres qui sont vérifiables. Donc...
Donc, approximativement, nous capables de dire en cinquantaine, parce que lundi, il y a 15 qui sont tombés, il y a 22, il y a environ 10 à 15 encore qui sont tombés dans la rue, hein, qui sont capables de constater. Mm-hmm. Et dans un moment, M. Tapé s'est élevé, donc, les approximativement environ cinquantaine qui tombaient malgré tout. Il y a des gens dans la population civile, la monde qui était là, caillou, qui a tiré, qui prend balle, qui ont même beaucoup lié là, et malheureusement, qui n'ont pas gagné soin pour eux, mais qui évacuent quand même avec famille. Donc, écoutez, nous n'avons pas pénétrer pour évaluer, pour nous dire chiffre avec combien de mais au niveau de la police nationale, dit bravo, population bravo, mais effectif là, il est trop faible, on a demandé au plus haut niveau pour renforcer la médaille d'Haïti, mettre pied à terre pour voir est-ce que nous avons mis ça. D'accord. Merci un peu, Wilner, on a rappelé aussi un point focal, la protection civile dans un cahier. On a, avant, on a parlé avec invité nous matin. Qui c'est Reginald Delva, qui c'est ancien secrétaire d'État, sécurité publique, ancien ministre également. Donc, nous allons parler avec lui et tout à l'heure. Mais bon, nous permettre porte-parole PNH Lan, Lionel Lazare, qui est souhaité quelques précisions sur l'effort, les dit PNH Lan a fait pour capable contrecarrer Zaka Bandio. Lionel Lazare, bonjour. Nous saluons tout auditeur, auditrice et cap côté Radio Caraïbe en Haïti quoi à l'étranger. Son plaisir pour ensemble avec nous matin dans le cadre d'échange que nous allons faire sur ensemble l'intervention que l'opération que la police a menée sur plusieurs fronts. Dans plusieurs zones. Opération, alors, intervention, c'est dans la zone Solino, c'est dans Akaye. Comment ça y est? Effectivement, nous connaissons que pendant un bon bout de temps là, bon, depuis le 17, il y a une situation qui a développé dans plusieurs zones, et dans l'aire métropolitaine et puis dans la commune Akaye. Par rapport avec ensemble de problèmes, ça y est. Qui gagne la police nationale d'Haïti à travers plusieurs unités spécialisées, l'ICPA, au commandement de la police là, a déjà un fois et négligé pour te permettre de répondre avec appel population pour te répondre avec sa capacité là. Et dans la commune Akaye, témoignage est clair que la police est renforcée. Et repousser M. Bandio qui a tenté d'entrer et prendre villa au niveau de commune et Akaye. Et il y a des dispositions qu'il prend pour être capable de renforcer quantité de unités spécialisées ou matérielles dans la commune Akaye pour empêcher que le malfrat atteigne avec objectif qui s'est pris. Ville et Akaye. Et dans pile, monsieur Bandio qui est mortellement blessé, gens que les citoyens Akaya les sont dit, et la police pas blessé les bras, la police a continué le travail pour permettre que monsieur atteigne objectif. C'est pas seulement au niveau des Akaye, dans Balatibonite, là, par exemple. Dans le moment que nous avons parlé avec nous, la police prend contrôle Kafou Pay. Nous connaissons que qui était une véritable zone côté que monsieur était toujours connaissant sa rien pour être rentré sous la RIA pour aller foncer des actes sous la RIA. Et témoignage pour prouver en fil monde dit que pour le moment, Geva il vient qu'à faire sur route nationale là, côté que la police pas seulement campé au niveau de blindés pour la bataille, mais la police était pilatée sur route nationale là pour permettre gagner circulation qui fait normal sur route nationale là, sorti Gonaï, Bédester, sorti. Et l'Esther arrivé et c'est ma. Au niveau de l'Esther, il y a des dispositions qui prennent là le plus vite que possible par rapport à ensemble de annonces, ensemble de messages que le service renseignement que la police a gagné au niveau du commandement. Il y a des dispositions qui prennent pour capable de renforcer l'Esther. Si on la police qui bataille sur plusieurs fronts, par rapport à ça, qui est là, journée jeudi.
et dans pas de la villa dans Solino dans Delma 24 la police là dans base là pour permettre que il y ait un contrôle de situation pour permettre que yo gain yo fait intervention à temps réel dans minute que on sait que va y passer dans Solino la police présente il y a plusieurs unités spécialisées qui là il y a des matériels qui travaillent au niveau des Solino pour permettre que yo capable et mettez monsieur Odio dans zone ça et permettre que la population capable de retourner vivre dans la zone que l'IOT retourne. Ça fait que, je dis à la ligne importante, la ligne nécessaire. Nous avons la police qui travaille sur plusieurs fronts. La police dans Crécy, la police dans Balaville, la police dans Solino, dans Delma 24, dans Taba 27, dans Croix des Bouquets, dans Agaye, dans Balatibonite là. C'est on la police qui motivé et c'est ensemble de policiers que nous gagnons qui motivé pour contre la réaction et monsieur. C'est pas sans raison qui fait que commandement toujours mandé population et je dis là nous est qui importance et nous est comment que mariage là Jean que Johnny t'a dit là non mise en contexte ça et que mariage ça pour qu'il est là pardon pour qu'il ait mariage là. Et son mariage que police, population, que directeur général la police, là, monsieur Nomil Rameau, depuis elle prend tête la police là, et il est venu ensemble avec lui, pour nous mariage ça, la baie résultat dans Akaye, la baie résultat dans Solino, la baie résultat dans le paquet de l'autre côté. Ça fait que ce n'est pas un mariage, pas quoi que commandement, pas quoi que a un divorce, la question mariage là. Son mariage qui soumet pour la vie. Ok, ça fait que je vous dis à la non encourager tout le monde dans le pays, journalistes et l'autre monde qui dans la société, encourager la police là, en monter moral policier par rapport à ça qui est là. Je vous dis à et tout le monde constate que la police nationale d'Haïti campé sur DP militaire, qui des policiers, je vous dis à la, qui ont semaine de yo, qui n'ont pas de travail, qui pour que j'aime rentrer dans la base. Donc c'est à féliciter, c'est à encourager, et c'est une situation difficile que nous avons vu aujourd'hui à la, mais la police, dans quatre missions, dans quatre travail, par le directeur général de la police, là, à tout commandement, la police, là, le commandement élargi, là, on a parlé de West 1, West 2, Pétionville, responsable Itag, responsable CMPAP, l'autre côté, pas des bouquets, et tout l'autre côté, mettez-vous ensemble pour permettre que vous réponse que vous pouvez. Donc, c'est on la police qui a boumé, nous demander la population pour collaborer, continuer à collaborer avec la police nationale d'Haïti et puis tout l'autre monde qui est dans la société, dans plusieurs secteurs, en encourager. Il faut, je vous dis, la police nous a fait, il faut, commandement la police a fait. Je vous dis à la, pour capable résoudre le problème et l'insécurité là, nous connaissons avec le peu que la police a gagné, mais la police n'a pas failli avec mission. Et donc, c'est la police qui a bataille, c'est la police qui a travaillé, on encourage les policiers nous, et à travers le gouvernement tout, il y a un pile de marches qui a fait pour permettre que la police a gagné de nouveaux matériels. Qui est capable de répondre par rapport avec l'exigence qui est là, je vous dis. Lazare, et bon, et donc, en tout cas, c'est toujours bon que la police l'a lui-même est mobilisée en dépit de complexité de situation. Nous-mêmes, nous toujours encouragé l'effort que la police l'a fait. Mais quand même, il n'empêche que Gentil reproche, par exemple, et c'est vrai que la police l'a mobilisé dans un contexte qui est difficile, la police l'a bataille. Mais mon yo plus souhait que la police là c'est après l'obel en fin pété en général que la police là vini. Et volet prévention hein, au niveau de la police, qui ça qui bloqué, qui fait que je dis là la police pas anticipé action bandi yo. Est-ce que bon problème au niveau de service de renseignement la police là qui fait que la police là toujours a vienne répliquer par rapport à attaque bandi au lieu que la police là lui-même l'anticiper le pas qui des bandi attaquer. Bon, c'est une très belle question que vous posez là, mais faut que nous tout par rapport à ça qui a passé là yo.
puisque la police qui a travaillé, qui a fait opération sur plusieurs fronts, dans plusieurs zones, ça a arrivé que gagne une information qui baille de bonnes zones, et puis tout bagarre là, les vins passer, la police qui va pas gagner temps arriver à temps. Ok, par rapport avec ça, qui vient et passer là. Mais dans le cadre de rencontre qui gagne, c'est un général de la police là, avec plusieurs responsables qui n'ont enseignement, qui et plusieurs autres côtés en dedans institution, ils accentuent sur ça en pile. Ça fait que je dis à la bonne équipe qui là, qui à chaque fois qu'il y a des informations qui dit par rapport avec ça que M. Bandi dit au parfait pour regarder faisabilité, pour regarder qui est capable de faire. Par exemple, tu as à Johnny parler de Lester. Eh bien, la police qui est en train de prendre disposition là pour renforcer Lester, pour empêcher que monsieur commette action que vous toujours dit, vous pas le faire. Donc, il commande pas la police là, directeur général de la police là, qui là, et bien il y a des instructions fermes qui passent sur question information ça y est, donc trouver des réponses qui baillent à chaque fois que information ça y est prend la rue et qu'on équipe Sandoula qui là, qui là même pour ça, pour traiter information yo, partager au côté que vous devez partager et puis tout pour vous bailler pour vous empêcher que vous ayez des bagailles qui arrivent. Donc nous-mêmes au niveau commandement la police là, service communication la police là, donc information ça y est, on pas prendre à la légère. Qui donc commandement travail et c'est là pour les gens que nous disons là qui a travaillé sur plusieurs fonds, qui a fait opération paquet de côté, et donc ça capable de vivre un bagage qui passait. Mais ça va veut dire que la police absente, ça va veut dire que la police ne peut pas répondre ou bien pas répondre avec une série de bagages qui a passé. C'est par ça les gens qui fait nous toujours dit mon on collaborer avec la police là, et Johnny t'es dit tout à l'heure guerrier tout t'es dit donc la police là et son maillot lié dans chaîne dans tout donc tout l'autre secteur qui gagne pour nous contribuer dans la question résoudre insécurité que nous faisons ensemble pour résoudre problème insécurité et qui gagne là et à l'heure moi te dis c'est que le gouvernement a travaillé pour permettre que l'autre moyen pour la police jeune pour faire face carré avec ça qui gagne la journée aujourd'hui. Merci un peu Lionel Lazare. Merci beaucoup. Voilà Lionel Lazare, c'est porte-parole adjoint PNH. Le moment arrivé pour nous recevoir invité non Ronald. On va le parler avec Reginald Delva. Reginald Delva qui c'est un monde qui connaît dans affaires de sécurité, son ancien ministre intérieur, c'est également ancien secrétaire d'État sécurité publique. Nous allons regarder la conjoncture sécuritaire là, qui ça qui est capable de faire, qui réflexion qui mérite, qui action qui mérite produit pour attaquer les phénomènes de manière efficace, puisque c'est un bagage qui préoccupe en pile, mais vraiment en pile, et le peuple haïtien qui a demandé côté réponse à problème et sécurité en lui-même, il est capable de sortir, puisque depuis assassinat Jovenel Moïse et bah la dégaine en Mangomé Ariel Vini bah la pi mauvais puis dernière phase de transition ça avec CPT plus Gary Kone, on a comme l'impression que bah la vie pi grave toujours à tel enseigne que n'a demandé côte solution qu'a sorti on va faire un petit bas de bouche on petit parler avec Reginald Delva. Reginald Delva, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour. Et bonjour et à toute l'équipe là, donc maintenant il y a notre seul, donc Ronald Elson, mais c'est comme une émission possible et pour nos auditeurs également. Alors, nous embourbons nos crises multiformes et qui gagne un aspect très préoccupé nous et la donne, c'est sécurité et Reginald Delva. Vraiment depuis des années, nous sommes capables de dire
question sécurité a son bail qui a pralé des crescendo on dégringo là-dedans jusqu'à ce que et bah elle arrive dans phase que l'rivé jeudi en là et crise là li exacerbé dans pays a et responsable état yo il y a bataille pour ça au café mais et pour qu'on ait une solution ou même comme monde qui réfléchit sur affaire sécurité qui soit comprendre comme si qui a passé là comme si qui soit comprendre le problème sécurité là d'abord on peut pas tenir comme même sur tel comment ça lie par rapport avec question une sécurité à combat contre insécurité à ce que nous pas capable de bailler la police là toute chaille à côté et mon principe qui joue chaîne n'a pas capable pas capable solide de maillon faible là donc c'est le maillon faible la chaîne n'a toujours cassé donc nous pas capable d'improviser tout le temps. Ma bon exemple est simple et tu vois et bon pas bien que vous rappelez moi j'étais secrétaire d'état sécurité publique et pour ne pas venir pour improviser moi j'étais puisé quand même feuille de route bureau et sécurité publique là en un plan de développement plan stratégique de développement d'Haïti que le gouvernement Préval le président Préval là était pour paquet de temps un paquet d'experts qui ont préparé un document de 300 pages et dit voilà le plan stratégique de développement d'Haïti 2010-2030. Autrement dit, le président Matéli Vini, Vini lui-même, il a hérité le plan ça et il a quand même validé. Et pas bien 2010, tout est long période, il a tombé dans le tremblement de terre. Donc c'est une période extrêmement agitée. Mais cependant, il y a eu ce document. C'est des documents ça, qui sont bibles, qui sont quand même aux feuilles de route, que tout, évidemment, il y a des quand même écoutés pour t'as passé mais là-dedans. Mais nous épuisons tout ça que sécurité publique a pour te faire. Oubliez que tu as toujours dit que c'est une question, nous toujours confondre criminalité et sécurité. Sécurité à global, criminalité à en dedans. Et c'est la raison pour laquelle que sécurité publique là très souvent négligée, mais sous garde en dedans encore une fois, si acteurs décident et chaque monde au lieu de venir faire pas eux, même j'ai gagné au plan de développement de la PNH, qui était 2012, 2016, 2017, 2021, il y a ça les commos là qui c'est le comité et de suivi et de mise en œuvre et de suivi de ce plan. Donc c'est là encore une fois, nous pas capable d'improviser chaque monde qui vient pas capable à faire parler. Alors que si nous retournons encore une fois, notre plan stratégique de développement d'Haïti a pas gagné encore, nous capable de faire amélioration et pas gagné encore pour les voter. Réflexion originale d'Elva, vous faites en pile. Et on parlait du plan stratégique ça là qui est élaboré depuis sous la présidence de René Préval. Moi rappelé me la tout récemment sous Ariel Henry où tu fais partie d'une initiative de plusieurs acteurs société civile là qui était les GTS groupe de travail sur la sécurité. Nous t'ai réfléchi, nous produit et de réflexion de recommandations d'a capable dire. Mais qui côté bagarre la bloqué et qui fait que réflexion ça on produit on pas capable jamais et implémenter ou bien et pas capable implémenter sur le terrain côté de Gordien. Bon, et c'est dommage parce que moi je trouve que une fois que moi je mettais en poste premier travail que me fait je m'étais assuré que moi j'étais ni document ça ma bon exemple très simple par rapport avec ma bon exemple une travail que me fait c'était justement il travaille sur la question des déportés criminels des États-Unis. Parce que nous quand même un gros problème lié de monde qui a déporté. On a regardé dans la crise que nous avons la crise côté que l'aéroport a été fermé en mars dernier, on a appris que plusieurs avions ont atterri au Cap avec des déportés criminels venant des États-Unis. Vous avez parlé des gens qui fait 15 ans, 20 ans prison, parfois 25 ans prison, parfois il y a des gens qui sont venus à Haïti. C'est pour il faut rentrer dans le pays. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'ailleurs. Au niveau de Chrome, le dernier rapport qui sorti, Chrome, c'est le dernier point côté que vous transférez avant que vous déportez, parce que les filles finissent purger peine, n'a pas oublié. C'est des gens qui finissent purger peine et puis qui vont le déporter. D'ailleurs, depuis l'enverdict, depuis qu'il a condamné mon juge là déjà dit que l'Ibral est purger peine et après ça, il a déporté le pays et le côté de sorti. En plus, nous savons c'est le baptiste que vous êtes un grand-père qui est haïtien et puis que vous êtes un haïti. Donc,
et on va regarder au niveau de coup, donc on va dire qu'il y a plus de cas de tentative de suicide qui a pas enregistré parce que moun sa yo, donc yo ouais que vraiment c'est mouri, yo pral mouri, yo pral pays ya, yo pral déporté yo, yo quitte famille yo, yo quitte machine yo, parfois yo quitte caillou yo aux États-Unis. Donc pour m'être capable d'entrer dans la logique comme d'étiquette, comment nous pralement des groupes mamé et qui ont un moratoire, nous pas dire au camp net, mais en attendant que nous organisons qui sont sécurité ya, et nous pas prêts. C'est que nous avons pris une idée, certains compatriotes, certains de protection, certains de encadrement, mais pas aussi temps pour nous préparer les questions. Mais qui, par hasard, nous avons rencontré le président Préval au funérailles, et pendant que nous avons le président, le secrétaire d'État,